Bonjour à toutes et à tous, bonjour Julie. Bonjour Laurent. Alors malheureusement, la semaine dernière, on avait promis qu'on reviendrait avec du beau temps et on va pas pouvoir tenir Non, promesse. c'est raté là. Voilà, la pluie n'est pas derrière nous, la pluie on est encore dedans. J'espère que ça va bientôt s'arrêter parce que quand même, C'est long là. c'est un peu long. En plus, on voulait vraiment vous faire une belle émission cette semaine puisque nous sommes dans la Eh Brenne oui. et qu'on avait prévu une petite visite guidée pour toi dans la réserve de la Haute-Touche. Oui. Alors on espère, on croise les doigts qu'on aura une petite éclaircie Voilà, ça va peut-être se tout lever à une l'heure. petite heure. Mais on va aller se mettre à l'abri puisqu'on va visiter deux musées, Voilà. l'un à Martizet consacré à l'archéologie et l'autre la maison de la pisciculture qui se trouve à Mézières-en-Brenne. Voilà. Donc un petit programme pour vous donner quelques idées de sortie pour cet été. Mais pour commencer, et comme chaque semaine, La carte postale. c'est parti! Cette semaine, Marivol est de retour dans la communauté de communes Cœur de Brenne. Situé au cœur d'une nature préservée et respectée, ce territoire regroupe les sites majeurs du parc naturel régional de la Brenne. La communauté de communes Cœur de Brenne dispose notamment de deux musées. Tout d'abord, la maison de la pisciculture à Mézières-en-Brenne. Avec plus de 2200 étangs, ce territoire est l'une des plus importantes zones humides françaises. La création de ces étangs fut attribuée aux moines des abbayes alentour, entre le 7e et le 12e siècle, et ils étaient destinés principalement à l'élevage de la carpe. La maison de la pisciculture permet de découvrir ce monde piscicole à travers des aquariums et des maquettes, et de comprendre comment fonctionnent ces étangs. À quelques kilomètres de là, à Martizet, les amoureux d'histoire pourront visiter le musée archéologique. Créé en 1983, il présente une riche collection d'objets datant de la préhistoire, des gallo-romains et des mérovingiens, retrouvés lors de fouilles réalisées sur la commune. L'occasion de partager la vie des premiers habitants de Martizet qui ont parcouru ces terres il y a 2000 ans. Située au cœur du parc naturel régional de la Brenne, la communauté de communes Cœur de Brenne abrite également le plus vaste parc zoologique de France, la réserve de la Haute-Touche. Les visiteurs peuvent y observer plus de 1000 animaux des 5 continents. Au total, 120 espèces sont représentées. Des animaux qui évoluent en semi-liberté au cœur d'une vaste forêt de 500 hectares. La communauté de communes Cœur de Brenne est un territoire à la fois sauvage et mystérieux, une destination idéale pour des vacances en famille. Véronique Fillion, bonjour. Bonjour Laurent. Alors merci de nous accueillir pour ce début d'émission. On est à Mézières-en-Brenne. Vous êtes agent touristique à l'Office du tourisme. Et là, nous sommes à la Maison de la pisciculture. Oui, et d'histoire locale. Et d'histoire locale. Oui. Il y a une petite section histoire locale dont on parlera tout à l'heure. Qu'est-ce que raconte cette maison? Parce qu'évidemment, la pisciculture et la Brenne, c'est une longue histoire. Tout à fait. Donc en fait, c'est dans les vestiges du château qui existait à Mézières-en-Brenne. Oui. Donc vous avez une tour ronde, une tour carrée, et au rez-de-chaussée, donc c'était la salle des archives du château. Oui. Au rez-de-chaussée, donc vous avez des aquariums avec certaines espèces de poissons de la Brenne, telles la carpe, le poisson blanc, le brochet. Le brochet. Au centre de cette pièce, vous avez une maquette qui vous explique comment on fait pour vider une chaîne d'étang. Oui, ça, c'est pas tout le monde qui sait vider son étang. Non, hein. Tout à fait. Donc il y a des professionnels pour ça. Voilà, ouais. Professionnels. Vous avez des pisciculteurs en Brenne, enfin un petit peu de pisciculteurs. Ouais. Et après, c'est au premier étage. Donc il y a une vidéoprojection des étangs de la mer Rouge en pêche qui dure à peu près 10 minutes. Il y a pas mal de matériel ancien sur la pisciculture et beaucoup d'explications. Alors, depuis combien de temps est-ce qu'on pêche en Brenne? Est-ce qu'on sait à peu près quand a commencé l'utilisation des étangs? Depuis le Moyen-Âge. Depuis le Moyen-Âge? Oui. Et qui a commencé au départ? Les moines. Et des moines qui ont commencé. De Méobecq et Saint-Cyran, ils ont creusé les étangs par rapport aux jeunes, parce qu'ils jeûnaient beaucoup. Et ça s'est développé petit à petit. Voilà, ça s'est développé petit à petit. On dit qu'il y a 1000 étangs, on l'appelle la Brenne, le pays des 1000 étangs. En réalité, je crois que c'est beaucoup plus. Oui, on dit entre 2000, 3000, voire 4000, mais voilà, quoi, ça tourne à peu près entre 2500. Alors, il y a une légende qui prétend que ce serait Gargantua lui-même qui aurait creusé les étangs. Oui. C'est vérifié ou... C'est une légende. C'est une légende, voilà. Qu'on doit à Rabelais. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que lui-même aurait marché, il était gigantesque. Voilà. En marchant, il aurait creusé les étangs. Voilà, tout à fait, oui. Et les butons, justement, avec ses bottes, il était... Quand il secouait les bottes. Voilà, ça fait les butons de Brenne. Mais c'est une légende. Okay.
Alors, pour reparler un petit peu des étangs, il faut les vider régulièrement, ces étangs. Oui. Comment ça se passe? C'est tous les combien? Tous les 2-3 ans, ouais, en général. Donc, souvent, ils vident et après, donc, ils font leur pêche. Et soit ils laissent l'étang en assec pendant un an, ou alors ils remplissent l'étang. Alors avec les autres étangs. J'ai eu la chance d'assister quelques fois à des vidages d'étangs, c'est très spectaculaire. Oui. D'ailleurs, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui assistent à ces vidages d'étangs. Oui, tout à fait. Parce que là, on voit plein de poissons. Plein de poissons, et puis ça permet aussi, il y a de la vente en bordure de route. On va dire aussi quelques mots donc, des autres expositions que vous proposez. Il y a une salle qui parle de l'histoire des forges. On ne sait pas forcément, mais il y avait des forges très importantes. Oui, ici. Les forges de Corbençon, tout à fait. Donc une petite salle est dédiée à ça. Vous avez donc une petite salle dédiée aux forges de Corbençon. Après, au second étage, vous avez l'hippodrome de Mézières. Qui n'existe plus. Et donc cette petite salle raconte son histoire parce qu'apparemment Georges Sand, personne illustre dans la région, venait ici, elle était fan de courses. Voilà, venez voir nos courses, les courses de Mézières. Et aussi on avait des chevaux qui étaient plus petits, en fait, ça s'appelait les chevaux de Braine. Ah oui, Véronique, une petite question, j'ai vu dans cette salle là-haut justement, inscrit sur un panneau, cavarnier, qu'est-ce que c'est que ce mot cavarnier qu'on entend par ici, Donc c'était les palefreniers, donc qui montaient à cheval et donc on les appelait les caverniers de la Braine. Véronique, merci beaucoup de nous avoir présenté ce magnifique musée de la pisciculture, cette maison de la pisciculture à Mézières-en-Braine. On invite nos téléspectateurs à venir visiter cet endroit et nous on va continuer l'émission, on va aller maintenant se diriger sous la pluie, hélas, vers le parc de la Haute Touche. On va rentrer. Ah, je laisse rentrer. Donc Patrick Croux, vous êtes éthologue ici au parc de la Haute Touche. Oui. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter ce parc? Le parc de la Haute Touche, c'est un très grand parc du Muséum national d'histoire naturelle qui s'étend sur 500 hectares et 130 hectares présentés au public avec un peu plus de 120 espèces, un peu plus de 1300 animaux de tous les continents réunis. D'accord, et donc là on est dans la cage des lémuriens. Là on est dans la volière des lémures couronnés, des lémures à ventre roux, pardon, la volière d'isolement. Ils sont en volière actuellement parce qu'ils ont deux petits jumeaux qui sont nés il y a un peu plus de 2 semaines maintenant. Ouais. Et donc on les surveille, le bon état des petits avant de les relâcher définitivement sur leur île. On pourra moins les voir, bien entendu. C'est rare des jumeaux, non? Chez les lémuriens, en général, les jumeaux sont assez rares. Et chez les ventres roux, ça l'est également pas mal, oui. On se connaît beaucoup avec ces lémuriens. À chaque fois que je rentre, c'est pour les nourrir, donc il n'y a aucun problème. C'est juste pour signaler qu'il y a à nouveau un petit ventre roux, un des petits jumeaux qui a un tic au-dessus de l'œil. Pas un très gros tic, mais si tu veux le voir. Vous arrivez à lui enlever les petits assez facilement? Non, on les enlève pas, en fait. Ah ouais. Elle va venir avec la soigneuse, qui s'occupe des lémuriens et que les lémuriens connaissent très bien. La soigneuse. Gentil, toi. La soigneuse va occuper la femelle pendant que Katia va manipuler très rapidement avec un tire-tique pour enlever ses tiques. Ouais, les enfants. Donc ces lémuriens qui sont ici, ils viennent d'où exactement ceux-là? Alors ce sont des lémuriens, comme tous les lémuriens en fait, qui viennent de Madagascar à l'origine. Alors ces individus-là sont nés en captivité dans des eaux européens, mais ce sont des espèces originaires de Madagascar, ce qui fait qu'elles sont très rares, puisqu'à Madagascar, il n'y a plus que 10% des forêts d'origine et que le lémurien est typiquement forestier. D'accord. Donc il est en voie de disparition extrême. Donc en fait, vous les faites venir ici, vous les étudiez et vous les réintroduisez dans leur milieu naturel? On les étudie, on les fait se reproduire, puisqu'on a besoin d'individus pour les réintroduire. Mm-hmm. Et puis en même temps, à Madagascar, on essaye de protéger des milieux où on puisse les réintroduire plus tard, aider les populations locales qui en contrepartie nous aideront, on espère. Mm-hmm. Et puis un jour, si on a un environnement apte à accueillir ces lémuriens, ils seront voués à la réintroduction, effectivement. D'accord. Il y a combien de lémuriens ici sur le parc? Alors ici, à la Haute Touche, on a 6 espèces de lémuriens. D'accord. Donc une vingtaine de lémuriens en tout. Mm-hmm. Et les 6 espèces, à part le makikata qui est assez commun, les 5 autres espèces sont en voie de disparition. D'accord. Donc là, c'est les lémuriens, mais le parc de la Touche est aussi connu pour les cervidés. C'est une très grande réserve de cervidés, la plus belle collection de cervidés au monde, plus diversifiée, et avec beaucoup de naissances en ce moment, bien sûr, c'est la pleine période. Et on va justement aller voir l'élan du Canada, c'est ça? On va aller voir une petite naissance de l'élan du Canada qui est unique en Europe et très rare au monde, à part au Canada, bien sûr, parce qu'ils sont originaires d'ici. Oui. D'accord, allons-y. Allons-y.
Donc ça, c'est l'élan du Canada. Voilà, notre grand mâle élan du Canada. D'accord. Et avec la femelle, il vient d'avoir un petit, c'est ça? Il vient d'avoir une petite femelle, donc il y a 3 semaines. Et du coup, la femelle a été isolée avec son petit du mâle, parce qu'elle est tellement protectrice qu'elle est un peu agressive envers le mâle, donc on l'isole temporairement. D'accord. Et donc cette reproduction, c'est quelque chose d'unique en Europe, vous disiez? Alors c'est, voilà, c'est la seule naissance en Europe d'élan du Canada, parce que c'est aussi le seul couple en captivité en Europe de cette espèce canadienne. Du coup, c'est assez rare, puis c'est aussi la première naissance d'élan du Canada à la haute touche, bien que ça fasse une vingtaine d'années déjà qu'on présente cette espèce. D'accord. Pourquoi il y a si peu d'élan du Canada dans des parcs en Europe? Parce que déjà, c'est pas forcément une espèce en voie de disparition, même si elle est super impressionnante, limite un peu plus que l'élan d'Europe. Et puis parce que qu'on a des élans d'Europe, donc la plupart des parcs préfèrent présenter cela et ne pas avoir l'obligation d'en faire venir du Canada. Donc nous, on a 2 animaux qui viennent d'Allemagne, un couple qui a déjà été formé là-bas et qui enfin s'est reproduit ici. Pourquoi vous avez eu envie d'avoir des élans du Canada ici à la haute touche? Parce que comme on a quand même une collection quand même super intéressante de cervidés, pour nous c'était intéressant de présenter la plus grosse espèce de cervidés qui existe au monde. Un mâle c'est 750 kg, un élan du Canada. Comme on présentera j'espère bientôt à nouveau la plus petite espèce de cervidés, l'hydropote. Parce que les cervidés c'est la base du parc de la haute touche, à la base il y avait que des... À la base il y avait beaucoup de cervidés, parce que l'ancienne direction adorait ces animaux-là. Donc on a eu beaucoup de cervidés, on en a toujours, notamment aussi parce que la grande majorité des cervidés sont des animaux très rares et en voie de disparition. Et que notre travail, c'est aussi ça, c'est de présenter des espèces rares, moins emblématiques que d'autres, peut-être en captivité, mais qui ont besoin d'être étudiées et protégées en la nature. D'accord. Il y a combien d'espèces de cervidés ici? Ici, on a 25 espèces et sous-espèces de cervidés différentes, dont 60-70% en voie de disparition extrême. Donc on l'a vu, là, c'est la saison des petits, il y a plein de naissances. Oui. Et donc, il y a une nurserie, on va aller visiter la nurserie? Bon, on va aller voir ça, oui, pas de problème. Allez, c'est parti. Alors on est ici dans la nurserie des cistudes. Alors les cistudes, c'est quoi? C'est des petites tortues en voie de disparition, c'est ça, que vous essayez de sauver? Ce sont des petites tortues aquatiques européennes, de plus en plus rares en Europe. Et donc on essaye d'élever en élevage conservatoire pour pouvoir les réintroduire dans les années à venir. Donc comment vous procédez? Comment ça se passe? Alors déjà, on récupère les pontes ici dans notre enclos d'adultes pour maximiser la réussite de reproduction. Les pontes sont mises en incubateur, sous surveillance, 2 à 3 mois. Attention à la température. Et puis à l'éclosion, les jeunes cistudes vont être mis en bassin d'élevage, protégés, chauffés, nourris pendant 1 an. Ils iront en hibernation, étonnamment, en frigidaire, la première année. Et puis la deuxième année, ils vont passer quelques semaines en bac et ils seront ensuite mis en extérieur, dans des bassins d'élevage extérieurs, 3-4 ans, avant d'être relâchés dans la nature. Ils sont relâchés dans la nature ici, dans la région ou ailleurs? Alors, pas encore en Bresse, parce qu'on considère que la Bresse, c'est une des rares régions où la cistude n'est pas en voie de disparition. Pour le moment, on a réintroduit des animaux en Alsace. Il y a un programme de réintroduction, également dans un deuxième programme au lac du Bourget. Et donc, chaque année, vous avez combien de naissances? Combien vous... Chaque année, on tourne entre 70-80 naissances. Là, on est vraiment dans un début de programme. Et puis, on aimerait bien tourner à une vitesse d'une centaine de naissances par an. Et vous organisez aussi des activités avec les enfants, évidemment? Oui, on peut venir visiter le parc librement. Mais il y a beaucoup d'activités, alors, avec les enfants ou avec le public familial. Des activités qui sont organisées tous les jours. Et dans lesquels on apprendra un peu les coulisses du parc, pourquoi on travaille comme ça, pourquoi on a ces animaux-là et ce qu'on fait pour la protection de ces espèces animales. D'accord. Donc vous êtes ouvert tout l'été, jusqu'à quand? Tout l'été, tous les jours, jusqu'à la Toussaint. Et puis on fermera la Toussaint pour ouvrir à Pâques de l'année prochaine. D'accord, très bien. Eh bien merci beaucoup, merci nous avons vous. Reçu. Merci. Et nous on continue l'émission et on va retrouver Laurent Amartizé qui allait visiter le musée de l'archéologie. Inès, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici. On est au musée d'archéologie de Martizet. On s'est faufilé entre les gouttes pour venir jusqu'ici parce qu'on n'a pas très beau temps aujourd'hui dans la Brenne. Même si Julie tout à l'heure a eu un peu plus de chance au parc de la Haute Touche, nous on s'est faufilé entre les gouttes. N'empêche que voilà une belle destination quand on vient se balader dans la Brenne, ce musée d'archéologie de Martizet. Alors vous êtes là depuis peu de temps, mais vous allez nous le présenter. D'abord, pourquoi y a-t-il un musée d'archéologie à Martizet, pour ceux qui ne savent pas? Alors tout simplement parce qu'à Martizet, en 1946, l'instituteur de l'école de Martizet a découvert le site archéologique de Saint-Romain, dans le centre-bourg de Martizet. Charles Gomandy, l'instituteur de la commune de Martizet, a emmené ses élèves à la sortie de l'école pour faire des fouilles archéologiques
archéologique donc sur le site de Saint-Romain. Et ensuite, M. Jean-Louis Soubrier s'est associé avec lui, avec Pierre Blanchet. Ils ont créé ensemble l'association des Amis du Vieux Martisé afin de valoriser, de promouvoir tout le patrimoine qui était découvert depuis donc 1946 sur la commune. Alors en fait, Inès, je crois qu'il y a plusieurs sites sur la commune de Martisé. Oui, il y a plusieurs sites archéologiques, effectivement. Il y en a pour l'instant trois. Il y a sûrement encore des sondages à réaliser. Le plus connu étant celui de Saint-Romain, puisque c'est celui qui a été le fouillé le plus longtemps, pour l'époque gallo-romaine, l'époque mérovingienne et l'époque préhistorique. Alors en fait, je crois qu'on a distingué justement au fil des fouilles cinq époques distinctes d'habitation des populations ici à Martisé. Et ça remonte à... Il y a longtemps. Ah, c'est-à-dire qu'en fait, on peut se permettre de dire qu'il y a 6000 ans que Martisé est habité de façon sédentaire, de façon durable tout le temps. Nous avons des traces de passage des populations préhistoriques avant le néolithique, mais depuis le néolithique et l'âge du bronze, l'âge du fer, la période gallo-romaine et ensuite la période mérovingienne, effectivement, nous avons des témoignages de toutes ces époques sur le site de Saint-Romain. D'accord, alors effectivement, ce sont toutes ces pièces-là qui ont été trouvées, que vous présentez dans le musée. Voilà, exactement, ainsi que des pièces qui ont été aussi beaucoup données par des personnes, des bénévoles et des personnes qui habitent à Martisé, qui ont voulu faire des dons pour enrichir le musée de Martisé. Alors, on va dire aussi un petit mot d'une pièce qui est très intéressante ici dans le musée, c'est celle qui présente les fresques. Alors, un petit mot de cette reconstitution, puis qui donne une idée très très riche et très précise de la vie des habitants ici. Oui, effectivement. Alors, en fait, il s'agit de fresques donc gallo-romaines. La fresque à fond rouge date d'à peu près du 1er siècle après Jésus-Christ, et la fresque à fond blanc date, elle, de la fin du 2e siècle. Un signe de raffinement. Un signe de raffinement, effectivement. Et donc, ces témoignages, ce sont des beaux enduits donc, qui ont été trouvés à même le site de Saint-Romain. Ici, ce musée vit une bonne partie de l'année. Et vous organisez, là, pendant l'été, qui approche, des ateliers pour les jeunes. Effectivement. Ouais. Donc, plus que des ateliers, il s'agit surtout de stages d'initiation aux fouilles archéologiques. Il y a beaucoup de jeunes archéologues en herbe qui sont très intéressés par le sujet. Donc l'association, depuis 2010, s'évertue à organiser des stages d'initiation aux fouilles archéologiques déclarés auprès du ministère de la Jeunesse et des Sports. Et donc, ils sont réservés aux 12-17 ans. D'accord. Ils se déroulent sur 5 jours. D'accord, très bien. Écoutez, s'il y a des apprentis Indiana Jones qui nous regardent... Bienvenue. On va indiquer sur l'écran les coordonnées pour vous contacter et puis venir participer à ces ateliers, à ces stages. D'accord. Merci beaucoup Inès. Merci à vous et à bientôt. À bientôt. Nous, on poursuit l'émission, on va aller rendre visite à un apiculteur. Lesquels. On enlève le toit. Voilà. Et on va commencer à fumer à l'intérieur. Et là, on va découvrir si nos abeilles ont travaillé ou pas. Donc là, les cadres ont l'air d'être bien pleins. On va les fumer un petit peu pour leur dire vous descendez, on arrive, il faut qu'on enlève les câbles. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être agressif avec des abeilles. Hein. Il faut faire le plus vite possible tout pour ne pas les énerver. Donc. Voilà. Donc vous voyez ici, hein, le cadre est... On va dire aux trois quarts plein. Donc là, le miel est protégé par une pellicule de cire qui est dessus. Toute cette partie-là est en phase de remplissement, on va dire. Hein. Donc là, les abeilles finissent de remplir et après, elles mettent une pellicule de cire dessus pour protéger le miel, pour le conserver. Donc on va les balayer gentiment.
Hein. On va les faire descendre. Voilà. Voilà, la récolte de miel sur cette ruche-là est terminée. Alors ici, nous sommes dans la miellerie, hein. Nous sommes dans la partie extraction. Hein, on va extraire le miel qui est à l'intérieur des cadres. Toute cette machine qui est ici va sortir le miel qui est dans les cadres. Hein, il va être extrait, il va être filtré par une autre machine. Hein, et après, il va être mis en fût dans les fûts qui sont de l'autre côté, tout simplement. Il faut bien savoir que s'il n'y avait plus d'abeilles sur Terre, hein, l'homme aurait pour 4 ans à vivre. Elle est là pour la pollinisation des arbres et des fleurs qui nous fournissent à nous l'oxygène. Hein. Donc je pense qu'il faut la protéger un petit peu quand même. Christelle Chambard, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes la directrice de la communauté de communes Cœur de Brenne. Tout à fait. Donc, c'est un territoire qui possède de nombreux atouts touristiques. Tout à fait, qui concentre sur son territoire de 11 communes la majeure partie des sites très intéressants de la Brenne. Mm-hmm. Donc pour en citer quelques-uns, il y a donc le château d'Azelferon. Mm-hmm. Ensuite, il y a beaucoup d'étangs à découvrir et des sentiers de randonnée. Il y a également le site très connu de Bellebouche, donc qui est reconnu station touristique rurale, la réserve naturelle de Chérine avec de nombreux observatoires pour observer les oiseaux, la faune. Il y a également certains musées à visiter et c'est surtout la nature qui attire les touristes et la population locale. Donc là, l'été approche à grands pas. Est-ce qu'il y a des grands rendez-vous à ne pas manquer ici? Oui, il y a des grands rendez-vous à ne surtout pas manquer. Il y a notamment deux manifestations importantes organisées par Cœur de Brenne. Donc le vendredi 9 août, un cinéma en plein air sur le site où vous trouvez là actuellement. Mmh. Ensuite, il y a la randonnée de la Brenne. Bon, ce n'est pas organisé par la communauté de communes, mais c'est quand même un grand événement puisque c'est la 27e année cette année. Donc c'est le 2, 3, 4 août prochain. Mmh. Que vous pouvez faire à pied, à vélo, en attelage et à cheval. Oui. Et également, une autre manifestation organisée par Cœur de Brenne dans le cadre de sa saison touristique, le festival de musique sur Saint-James. C'est la deuxième édition cette année, avec trois groupes qui vont se succéder. Donc le vendredi 23 août à Saint-James, c'est une entrée presque gratuite puisque c'est 3 euros l'entrée et gratuit pour les moins de 10 ans, donc avec possibilité de se restaurer sur place et en plein air également dans le parc de la salle des fêtes. D'accord, donc un programme bien chargé pour l'été. Tout à fait. Pour tout le monde, petits, grands, il y en a tout pour tout. Tout à fait, oui, parce que pour les petits, si les parents souhaitent les occuper, on organise toujours comme chaque année notre centre de loisirs, ici même, avec des locaux et un parc très agréable, donc jusqu'au 17 août, pour les 3 à 13 ans, avec un mini-camp organisé à Bellebouche sur quelques jours. D'accord, très bien. Eva, merci beaucoup. Très bien, merci à vous. Et bien voilà, c'est la fin de cette émission, ma chère Julie. Et oui. En espérant t'avoir donné aussi à toi quelques idées de sortie pour cet été. Ah oui. Venir découvrir le patrimoine naturel si riche de cette région, la Brenne. Ah, il y a beaucoup de choses à voir. Avec un rendez-vous que moi je retiens particulièrement, c'est la randonnée de la Brenne début août. Voilà. Pareil que ça vaut vraiment le coup. Ça vaut vraiment le coup, je confirme. On espère vous revoir la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Et d'ici là, vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet à l'adresse qui s'affiche sur l'écran. www.bip-tv.fr. Au revoir à tous. Et à la semaine prochaine. Au revoir Julie. Au revoir Laurent.